Sur le Grass Pencil. J'avais déjà fait une vidéo sur le Grass Pencil, donc là je vais essayer de montrer des choses un peu inédites. Donc voilà, là j'utilise le Grass Pencil avec une tablette. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux de pression. Là j'appuie fort, là j'appuie pas fort. Voilà. Donc on peut faire comme ça, on peut appuyer par exemple fort au début. Et vous voyez, on peut aussi donner un coup de crayon, voilà, donner comme ça une trame de coups, et puis refaire un coup par-dessus, voilà, et voilà. Et là, forcément, plus on écrit dessus, et plus ça devient foncé, hein, comme quand on utilise un crayon à papier qu'on écrit plusieurs fois dessus. Voilà. Donc ici, on peut choisir différentes choses. Donc ici, on peut choisir des options de modification. Donc on peut modifier, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut modifier le dessin comme si c'était un objet 3D. C'est-à-dire qu'ici on peut passer, comme dans un objet 3D, on peut passer en object mode ou en edit mode. Ici je suis en edit mode. Donc ici là par exemple je fais des sélections de ces edges-là et je fais G pour les déplacer. Donc vous voyez, ça déplace tout mon dessin comme si c'était un objet 3D. Hein, voilà. Donc là je redéplace G, S pour redimensionner, R pour rotation. Hein. Et on peut même faire une rotation libre. Hein. Donc c'est deux fois R. La rotation libre c'est faire une rotation en 3D. Hein, vous voyez, on peut même faire une rotation libre. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du mode édition. Il y a aussi le mode sculpte. Donc le mode sculpte, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est comme le sculpte en 3D. Donc on sculpte notre dessin. Et vous voyez, on peut vraiment y faire prendre une forme complètement différente. Là, par exemple, je peux faire un espèce de crâne. Vous voyez, je peux complètement modéliser mon dessin. Alors après, au niveau du tracé, si on veut un tracé assez fin, bon, ça le fait pas. Mais vous voyez, on peut complètement changer la structure de son dessin. Là, on peut faire une mâchoire beaucoup plus carrée. Là, on peut faire un nez. Hein, donc on joue différent comme ça. Il faut jouer avec le truc. Hein. Il faut jouer. Voilà. Et là, on peut rabaisser le crâne. Voilà. On appuie sur F hein, pour changer la taille. Et vous voyez ça, on le réduit. Voilà, donc j'aurais appuyé sur F, j'ai envie d'avoir un plus petit pinceau. Donc ici, ce qu'on peut faire, bah, c'est draw. Hein. Donc draw, c'est le dessin. Hein. Voilà, bon, bah, ça, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Il suffit de dessiner. Vous dessinez à la souris avec votre tablette. Hein. Je vous recommande d'avoir une tablette. Le white painting, j'utilise pas trop. Hein. Donc là, j'en parlerai pas dans ici. Il y a le mode objet aussi, donc c'est tout, c'est le mode objet, et puis bah là on peut déplacer tout ce qu'on a dessiné, on peut le redimensionner, on peut faire une rotation sur l'axe XY et faire une rotation libre aussi également. Vous voyez, ici j'avais même dessiné un peu en volume. Voilà. Donc échappe hein, pour se remettre. On va appuyer sur le point du pavé numérique pour se focaliser sur le dessin. Non, c'est une mauvaise idée. Parce qu'en fait, le dessin dans animation 2D, là je suis dans le panneau animation 2D. En fait, c'est une projection de la caméra sur un dessin en forme plane. Hein. C'est un peu, on triche un peu. Hein. C'est pas un mode à part entière pour le dessin 2D. C'est que tu dessines dans la vue 3D et juste ça fait un fond blanc, c'est tout. Pareil pour le full canvas. Le full canvas, en fait, ça enlève les options tour. On va rester en full canvas, c'est pas mal. Donc là, on a les options de dessin, sauf qu'en animation 2D, non, ça change pas grand-chose en fait. En object mode, si on passe en draw, ouais, voilà, là on a les outils de draw, et là on a les outils d'objet, donc déplacement, redimension, scale, les outils d'edit, voilà, radius, le bend. Donc ici, on peut bender un peu le truc, hein. Donc on va faire contrôle plus. Non, c'était pas contrôle plus. On va faire all. Voilà. Et mettons, on va faire un bend. Donc vous voyez ici, on peut complètement déformer hein, notre objet. Vous voyez, on peut complètement l'extruder. Et donc là, on a. Ce sera plus la tangente. Donc là, on le déforme. Vous voyez, on le déforme comme si c'était de façon à ce que ça prenne la forme d'un losange. Et ici, cela, je ne les ai pas testés. Je vais tester en direct ce que ça donne. Ouais, voilà, ça rajoute de l'épaisseur en fait, au fur et à mesure. Voilà. Voilà, on va pas rajouter trop d'épaisseur. Et ici. Voilà, ça permet de déplacer, de faire une extrusion du dessin. Voilà, donc ça, on va pas l'utiliser.
l'extrusion du mode edit, hein, du dessin. Et en sculpte, bon ben on a. Donc on va repasser en mode objet et en mode sculpte. Hein. Voilà. C'est bizarre parce que là ça laisse encore la vue en. Ouais, il faudra repasser en mode draw et repasser en mode sculpte. Ah ouais, mais ça. Ah bon, moi ça me laissait pas les. Bon, peu importe. Je voyais plus l'edit mode en fait. Je voulais vraiment les tracer comme c'était. Je sais pas là. Donc ici, là, ça permet de lisser. Hein. L'inverse du lissage, c'est le fait de perturber le randomisateur. Comme ça. Donc là, on peut s'amuser à randomiser. Voilà. Et puis après, on peut faire un lissage. Smooth. Vous pouvez prendre Blender en français, hein. Moi j'ai l'habitude du Blender en anglais, j'ai essayé le Blender en français, ça me changeait tous mes raccourcis, donc ça me changeait quand je faisais le menu espace et que je voulais chercher quelque chose, ça me changeait tout et j'avais mes habitudes. Hein. Donc je retrouvais plus mes petits et ça m'a énervé, je repasse en anglais. Mais vous voyez, j'ai agrandi tous les menus, hein. C'est pour vous, hein, que j'ai fait ça, c'est pour que vous voyez plus clair. Parce que je me suis dit sur une petite vidéo, pour peu qu'il y en a qui regardent sur leur téléphone, bon après regarder des tutos Blender sur son téléphone, bon je dis pas parce que je le fais moi mais bon, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc là ça permet de tirer, hop, ça c'est le grab, voilà, c'est comme le tout sculpt, hein, si vous connaissez, hein, c'est exactement la même chose. Voilà, là, donc là ça c'était le randomisateur qu'on a essayé tout de suite, et ici le smooth, l'épaisseur. Donc ici on peut rajouter de l'épaisseur sur un coin qu'on veut. Mais donc voilà, en gros, voilà, c'est tous les outils du sculpt, tous les outils de l'edit mode liés au pinceau, liés au dessin. Et ici, bah, il y a différents modes. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ici. Ici, on peut par exemple utiliser le marqueur. Et ça, je l'avais déjà expliqué dans le précédent tuto. Donc on a le marqueur, on a la calligraphie, on a. Le marqueur, encore un autre marqueur, la plume, donc c'est un peu différent de la calligraphie, on a voilà, le crayon de papier, pas grande différence, et l'outil un peu soft. Voilà, et puis ça, bien sûr, tout ça, on peut affecter du sculpte dessus, hein, donc voilà, là j'ai mon sculpte d'épaisseur. On va prendre mon sculpte de grab, on peut complètement étirer le tracé. Voilà. On peut faire une tâche, on peut l'agrandir. Voilà, on peut le tourner. Ah si, ce que j'ai oublié de parler, c'est les couleurs. Bah, j'en parlerai dans une autre vidéo. Comment changer les couleurs. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Blenderology. À très bientôt.